Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Je viens tout juste de recevoir le prochain jeu sur lequel on va jouer. Donc, hop, il est encore dans sa petite boîte. Putain, mais il fait jamais le... Cet appareil photo est franchement pourri. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Sur quel jeu va-t-on jouer ce mois-ci? Donc non, ce ne va pas être un nouveau Call of, non, ce n'est pas Battlefield 2-4, non, ce n'est pas ce que vous attendez. Oh putain, ça y est, je sais ce que c'est. Oh, alors là, je suis content, putain, va sortir ça. Oh. Alors là, pour les fans des jeux exclusifs PlayStation, vous allez mais kiffer grave. Final Fantasy Type 0 HD. Oh putain, il est lourd. C'est l'édition spéciale. Il est tout simplement énorme. Non mais, regardez la taille du bordel. Je sais pas comment faire pour vous faire comprendre que c'est vraiment énorme. C'est pas du tout la taille d'un jeu. Hein. Attendez, est-ce que j'ai un jeu là, pas loin? Là, attendez. Là, regardez. Hop, FIFA 14. Hop, voilà, d'accord, hein. On est d'accord. Hop, les... Ça me saoule quand un putain de truc n'a plus de stockage. Bon, désolé, c'est à couper. Et je disais donc, voilà. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est l'édition collector. Donc, putain, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce qu'on a le temps. Regardez-moi ça, la petite édition collector, là. Oh, Final Fantasy Type 0. Je me demande ce qu'il va donner. Donc, vous allez me dire aussi... Putain, attendez, on va regarder l'arrière avant. Oh là là. Plongé dans la bataille au sein d'une unité d'élite, affronter, j'arrive pas à lire sur le petit écran, affronter l'ennemi au cours de combats en temps réel, personnaliser votre équipe grâce à 14 personnages uniques, découvrez une guerre des nations, putain le... Là, une guerre des nations intense et déchirante. L'édition de lancement inclut un accès exclusif à la démo jouable de Final Fantasy XV. Oh my god. Ça c'est... Oh, ça c'est vraiment trop trop bon. Alors là, ça je vais vous faire très rapidement, je vous le promets, parce que c'est un jeu attendu depuis des années et des années, parce que oui, il y a des bandes annonces sur ce jeu depuis, mais je crois que c'était depuis 2004 ou une connerie dans le genre. Ce jeu, il est attendu, mais depuis une décennie, c'est incroyable. Alors là, je suis content. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Présentation du coffret contenant le jeu Final Fantasy Type 0 HD plus un steelbook doré avec le disque de jeu et un CD de musique sélectionné par le compositeur. Cool. Les cartes Taste, 5 cartes collector de style tarot. Ouais, c'est sympa. Un manga de 200 pages de Final Fantasy Type 0. Ça, c'est plutôt sympa. Un artbook relié grand format de 80 pages. Enfin, on va regarder ensemble celui-là. Donc, alors attendez, je vais vous mettre comme ça. Donc là, voilà, vous êtes sur mes couilles, c'est nickel. Donc, hop. Voilà. Ça a vite fait, bien fait. Là. Donc. Voyons voir ce qu'on a là. Hop, je vous reprends, voilà. Mes couilles vous ont bien réchauffé? J'espère que oui. Putain, j'en ai marre de recevoir des messages. Allez, ouvre-toi. Classe 0842. Aïe. Allez, sors de là. On regardera le reste plus tard. Pour le moment, on va s'attarder donc là-dessus. Alors, que nous apporte ce joli petit livre? Welcome to Class Zero. Letter from Director. Hello everyone, my name is Arime Tabata, Director of Final Fantasy Type 0 HD. Ce titre existe seulement parce que vous, les fans, avez fabriqué le... Bon. On s'en fout, en plus c'est en anglais, donc je vais pas bien vous le traduire si ça continue comme ça. Ouais, il y a quelques trucs sympas, il peut... En gros, ils expliquent à peu près tout sur chaque personnage. Putain. Ils sont stylés, les personnages. Il n'y en a aucun que je connais, d'ailleurs.
Machina Jack 9 and 7 Deus King 8 Size Ace Queen Trey Kater et 5. Kater, elle me dit quelque chose. Alors qu'avons-nous là? Oh, les personnages, il y a un petit descriptif de chaque personnage. Putain, les armes, elles sont trop bien faites dans le livre. Truc de fif. Wow. Lui, il est avec l'arc, elle a un flingue, elle a une espèce de lance. Enfin non, c'est même pas une lance, c'est une faux, quoi. Alors elle, par contre, elle a un lampadaire. Lui, il a une espèce de lance. Lui, un putain de katana. Elle, c'est une grosse sado, apparemment. C'est en mode fouet, je vais te fouetter. Lui, il a des gants, donc il doit frapper au poing, j'imagine. Lui, double gun. Elle, épée. Donc en mode chevaleresque. D'ailleurs c'est la reine. La reine et le roi. La machine à kunagiri. Oh putain, il a des épées en forme de lance. C'est plutôt sympa. Elle a des épées tout court. En double épée, j'adore par contre ça. Et j'aime bien jouer avec en général une meuf en tant que personnage. Kurazame Suzaya. C'est le mais les méchants ça, je sais pas, ils sont là bizarre. Putain, lui, il a un couteau suisse mon gars, c'est un truc de fifou. Bon, je sais pas, si on allait, on va tout regarder tant qu'à faire. Mais je vais le faire vite fait. Oh putain, le gun. Ah putain, la netteté se fait pas. Là, on a un gun de malade mental. Désolé si je tremble un peu hein, avec l'appareil. Merde, comment ils s'appellent? J'ai oublié le nom des espèces de coques là, les trucs qu'on monte, j'ai oublié leur nom, putain. Les cocos. Les cocos. Ah j'ai oublié, ça y est. Ils sont trop mignons, il y a des musiques et tout dessus, c'est trop stylé je trouve. Oh là là, c'est un truc de malade mental. On va tout regarder vite fait bien fait. Alors là, t'as un espèce de chat mon gars, mais j'aimerais pas l'avoir ce chat là. Je préfère mon chaton à moi. C'est des descriptifs techniques d'à peu près tout ce qu'il peut y avoir dans le jeu quoi. Tous les personnages, toutes les bêtes. Je sais pas si dans ce type 0 ça marche avec aussi des créatures comme on avait dans Final Fantasy XIII. Ou si ce sera autre chose. Parce que je vois qu'il y a plein de personnages. Putain, je suis impatient d'y jouer. Je vais essayer de vous faire un let's play au plus rapidement. Le problème c'est que j'ai aussi l'autre jeu là à finir, comment il s'appelle, The Order, et qui est lui aussi super bien. Donc ça va peut-être pas. Oh putain, mais alors lui par contre on dirait un Pokémon quoi. Sérieusement, on dirait un Pokémon. attention, on met une bombasse. T'as regardé sur le jupe. Wouhou. Ouais, une plateforme ensorcelée, on dirait. Ah, il y a des engrenages. Ouais, si, c'est ensorcelé qui vole, ouais. Bon. Un dragon, on dirait encore un Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. Regardez, ça, c'est Oot-Oot. Ou plutôt Norfang, là. En Norfang, en gros. Ouais, il a pris un peu de bide. Là, ouh, là, toi, tu ressembles à rien, par contre. Alors là, putain, mais ils ressemblent tous à des Pokémon, on dirait, là. Sincèrement, celui-là, il me fait penser à rhinocéros, ça c'est une vraie bête. Non, comment on l'appelait déjà? Ah, j'ai oublié. De jolies images ici aussi. Très très belles. Oh, franchement, là ça claque. Hein. Je suis désolé de pas avoir un truc en HD pour vous filmer ça. La prochaine fois, j'utiliserai ma... Ah, j'ai oublié son nom. Mamma mia. Oh, les images sont trop belles, j'arrive même plus à me concentrer sur ce que je veux dire. Ah, ça c'est le genre d'image que j'aime. Un peu de fantasy et tout là, du bon Final Fantasy. Ma GoPro Hero 4, voilà. Celle-là, elle est en Full HD, il n'y a pas de problème.
Et quand je, il me faut juste la carte mémoire, il me la manque, donc voilà, et vu que ça coûte assez cher, ben j'ai pas eu le temps de l'acheter. Et dès que je l'aurai, je vous ferai mes let's play avec ça. Putain, c'est joli, hein. C'est franchement super beau. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui s'en foutent un peu, mais il doit bien y en avoir quelques-uns aussi qui kiffent ça, quoi. Donc je préfère vous le montrer, hein. Comme ça vous l'avez vu, pour tous ceux qui n'ont pas pu se l'acheter. D'ailleurs moi je n'aurais pas dû pouvoir me l'acheter. Je l'avais pris en précommande et en fait, ben, la sortie du jeu est tombée pile poil quand j'étais à 0€ sur le compte. Du coup je me retrouve avec 100€ de... des hors forfait. Hors forfait gaming. Et puis voilà, t'es regardé. Une carte du monde de Final Fantasy. Ça ressemble à rien. Ça ressemble pas en tout cas. Non, ah non, ça a pas l'air de ressembler à notre vrai monde. Ouais, non, ils ont vraiment rien fait qui y ressemble. Bon, pas grave, je trouve ça sympa, moi. Hop, donc voilà, ça c'est fait. On va regarder entièrement. Alors là, on a le manga. Oh putain! Bon petit manga quand même. Je sais pas combien il y a de pages, mais il est assez épais. On est d'accord. Final Fantasy type 0. Putain, la chance que j'ai pour me lire un manga de malade mental. Voir les images intérieures. Putain. Ah, ça va être cool ça. Oh là là, le broti, on va le regarder à la fin. Ça c'est les cartes. Bon, les cartes, on s'en fout un peu. Hein. Sincèrement, ça c'est le truc qui m'intéresse le moins. Il y en a 5, hein. On n'en voit qu'une. Bon, je vais pas vous montrer ça, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Alors la boîte. Oh. Oh la boîte. Oh là là. Elle est dorée, vraiment dorée. Oh, elle est magnifique. Fais-toi. Oh oui. Final Fantasy type 0 acheté. Et de l'autre côté, une autre DS. Aïe aïe aïe, que c'est beau. Attendez, je l'ouvre. Hop. Donc qu'avons-nous là? Voilà. Donc ouais, j'ai un truc avec un code. Je vais essayer de... Hop. Final Fantasy acheté, je crois bien. Oui! Deux CD pour le prix d'un. Ça c'est cool. Ah là là. Ouais, j'ai quelques fiches avec des codes, ça je vais le rentrer direct. Oh, c'est franchement génial. Vous savez quoi, je vais vous balancer la vidéo direct comme telle. Putain, là. Je vais vous la balancer direct comme telle et on se fera un let's play découverte la prochaine fois. Comme ça vous avez l'unboxing entier, parce que là il dure quand même 12 minutes. Sinon ça va faire un peu trop long si on fait en plus de ça le let's play de découverte. Donc comme ça, je vous dis, ben, je pense... d'ici 2-3 jours pour le let's play, parce que tant que là je suis en train de monter mon tout nouveau PC qui va vous faire vos nouvelles vidéos. Je sais pas si vous le voyez de là. Là voilà, il est là-bas. Il y a 3 500€ dans la tour, voire 4 000 même. Donc pas besoin de vous dire que ça va dépoter sévère. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Il n'y a rien d'autre, non. Oh, le paquet, il est magnifique. Je suis super content. Franchement, je suis super content. Bon, ben voilà les gens, on va se laisser sur ça. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. On se dit donc à la prochaine pour le let's play découverte de Final Fantasy Type 0 HD. Et donc, d'ici là, passez de très bonnes journées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde !